Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour sur Pokémon Crystal. Bien évidemment, toujours en Nuzlocke. Après, on va pas dire l'hécatombe, mais presque du dernier épisode. On se retrouve, et directement on se retrouve sur un appel. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné, ça arrivera peut-être même plusieurs fois aujourd'hui pendant ce live. Un appel de Liz Picnic, qui va nous dire... Essaye, ça va bien. Tu as du temps libre? Ah, elle veut un combat. Sans façon. Vraiment sans façon. Alors, j'ai une petite chose à vous dire, avant de repartir un petit peu à l'aventure. C'est que, hors live, j'ai décidé de faire une petite session d'XP. Parce que du coup, faire ça en live, c'est un peu chiant. Donc, j'ai juste remis les Pokémon qui ont rejoint l'équipe... au niveau, c'est à dire alors c'était qui, c'est Mablette qu'on a mis niveau 20 et GusDX que j'ai mis niveau 20 aussi. Donc il y a peut-être Carnage et Riri et Pissanvol, je crois pas qu'il ait gagné un niveau, ou peut-être que un, voilà, enfin ils ont forcément peut-être gagné un ou deux niveaux. Et du coup voilà, nous sommes repartis et nous devons aller à Irizia. Le problème, parce que oui, il y a toujours un problème, c'est qu'on n'a pas de Pokémon... enfin, si on a un Pokémon plante, mais voilà les attaques. C'est toujours une catastrophe, je sais absolument pas comment on va gérer ça. Donc bon, on va dans tous les cas s'y diriger, mais on va peut-être éviter les dresseurs dans la mesure du possible. D'ailleurs, attendez... Alors là, on est à Oliville. Alors attendez, Oliville. Ça veut dire que si je vais dans l'eau ici... Ouais, c'est ça. Si je vais dans l'eau, j'ai le droit à un Pokémon. Et dans la route d'à côté, j'ai le droit à un autre Pokémon. On est d'accord. Ok. Et bien, Pokémon de zone. De Oliville. Un Tentacool. On en a déjà un. Est-ce qu'on peut pas avoir mieux? Donc je pense qu'on va partir avec GusDX, qui va peut-être nous aider à... s'occuper des Pokémon aquatiques. Je sais pas. Après, on pourrait essayer de choper la super canne pour récupérer des Pokémon ici. On va faire ça. On va ressortir de là et on va... On reviendra à Oliville avec une autre canne, mais je me souviens plus où est-ce qu'on les récupère, les cannes. On a la... Bon, on a la canne classique. Alors, attendez, juste deux secondes. Pourquoi j'ai pas le chat? Allez, bon, bah toujours Pokémon de zone. Est-ce qu'on aura autre chose qu'un Tentacool? Non. On a le droit, encore une fois, de ne pas le capturer. Allez, on fuit. On va essayer d'éviter les dresseurs, hein, vraiment. Je pense que c'est pas une bonne idée d'affronter les dresseurs. On va longer, ici. Après, le truc, c'est que plus tard, en avançant... Tentacool cruel, hein. Plus tard, en avançant, j'ai peur qu'il y ait certaines zones, certaines routes où je me dise, bah merde, j'ai pas capturé Pokémon. Est-ce que j'en ai capturé un? Est-ce que j'en ai la possibilité de le capturer? Je ne sais pas, donc on verra bien. Bon, Balombre, ça fait quand même un petit peu de dégâts. Oula. Oula. Un petit coup de l'échouille, après un petit coup d'hypnose, et après on essaie de le capturer. Hein. Ah bah non, pas besoin d'hypnose. Bah du coup on va lui balancer quelques l'échouilles. Parce que j'ai peur de le tuer en fait. Si, comme il a baissé, il a sa défense spé a baissé. Bon, on peut lui en refaire un petit. Par contre on poisonne pas, ce serait vraiment pas cool là. Parce qu'on est au milieu de l'océan. J'ai pas tellement la possibilité de revenir... Oui bah ultrason j'arrête d'attaquer de toute façon. Si tu veux. Apaball. Ouais, mais c'est pas un Pokémon aquatique. Enfin, c'est un Pokémon aquatique, mais c'est pas un Pokémon qui a été pêché. Donc, je sais pas si le jeu
le prend en compte, ça. Ah, dommage. Ok, acide. Oh. C'est pas très efficace, mais... Martyrie, quasiment un cinquième de ma ville, hein. Très bien. Le Tentacruel est capturé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est un mollusque. Un mollusque, ses 80 tentacules absorbent de l'eau et s'étirent sans fin pour enserrer et capturer ses adversaires. C'est un mollusque. Moluel. C'est nul. Tentamolu. Molu Tanta. Tentamolu. Allez, ça sera Tentamolu. De toute façon, on n'est pas à un nom près qui est complètement rincé. Tentamolu. Voilà. Tentamolu. Rejoins l'équipe. Eh bien écoutez, le Pokémon de zone a été capturé. Alors, 41. On était sur quelle route avant? Route 40. Donc là, on est sur route 41. Donc, nouveau choix. Saleté. Saleté! Évidemment, fallait que tu te ramènes ici. Ludmilla. C'est pas commun comme prénom, Ludmilla. Niveau 18. Allez, on va enchaîner les balles ombres. Ok. Pic pic. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ouais, le truc, c'est que derrière... Le truc, c'est que derrière, je sais pas qui envoyer. C'est ça le souci. Autant avec Gus DX, je peux me permettre, mais là... Carnage, hein. Carnage, c'est le moins pire. Après, on a l'autre, là, le pissenvol, mais ça va être long, ça va être chiant. Donc, allez, Carnage, comme ça. C'est pareil, il a pas des attaques de fou. Vive attaque qui lui permet d'attaquer en premier. Bon, là, coup critique. Ok, Mimikyu, vas-y. Fais-toi plaisir. On refait vive attaque, nous. Et ultrason, ça n'affecte pas, parfait. Et vive attaque. Le poids sirène, ça passe. Donc encore avec carnage, on peut faire quelque chose. On sera niveau 23, je pense, si on... S'il meurt pas. Parce que là, poisson roi, ça risque quand même d'être... poisson roi, je le balancerai bien du sable dans la gueule, moi. On va lui balancer deux fois du sable. En espérant que... Aïe. Ok. C'est bien qu'il m'attaque pas direct derrière. Ok. Ok. Bah, pis s'envole du coup. Hein. J'aurais pas trop le choix. Là. Oh, putain, mais il a, je lui ai balancé deux fois du sable. Il a attaqué trois fois correctement. Allez, non, tu es pas confus, tout va bien. Voilà, très bien. Voilà, évidemment, Mimikyu, ça rate. Allez, poudre toxique. Non, t'es pas confus, tout va bien. Oh, qui est bête. Putain, pic-pic, ça fait mal. Ouh là 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 là. On va vite re-switcher. Est-ce qu'on peut... Ouais, je pense. Au moins essayer de le rendre... Putain, j'avais oublié la confusion. On est mort. On n'est pas mort. Ah, ça c'est my bad, hein. Bah pour le moment il n'a pas balancé d'attaque haut, mais je crois que c'est sa quatrième attaque. Putain, par contre le sable qu'on lui a envoyé, il en a rien à secouer lui, hein. Il en a rien à secouer.
fais pas masse dégâts. Putain, mais les seules attaques qu'il a loupées, c'est les mini-queues. Sinon, toutes les attaques physiques, il les a réussies. Allez, meurs. Allez, carnage, monte au niveau 23. Il tente d'apprendre cyclone. C'est pas ouf. Hein. Allez, non. Oui, arrête d'apprendre cyclone. Bon, et puis s'envole, faut vraiment faire quelque chose. Bon, on est toujours dans une zone, hein, je le rappelle. On peut capturer un Pokémon. Allez, autre chose que Tentacool ou Tentacruel. Bien. Ah putain, faut pas que je fasse, faut que je fasse attention. On va mettre un autre Pokémon en premier. Hein. Allez. On va mettre un autre Pokémon en premier dans l'équipe parce que si jamais il y a une fuite impossible. J'étais sûr. Je l'ai senti. Toi, pour la peine. Ça va être chiant. Putain, j'espère que j'ai quelque chose pour me soigner. Ah, les tentacools. Les tentacools, mais les gars, mais... Allez, fous-moi le camp. Dégage de là. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus... Je ne veux plus. Allez, dites-moi que j'ai un petit quelque chose pour soigner le poison. Béantipara. Bim. Ok. Ah mais non, mais... Putain. Béantidote, pardon. Le type ne comprend rien. Alors, on a dit, on change de Pokémon en première place. Ouais. On met Teriri. Ok, donc on est toujours sur une zone où on peut capturer un Pokémon. Tentacool, Tentacruel ou autre chose. Prenez les paris. Évidemment. Va-t'en. On est arrivé à Rizia. Donc j'aimerais bien. Voilà, on va rester là. Et on va essayer de capturer quelque chose. Encore une fois, on aurait pu pêcher ici. Peut-être qu'on aurait quelque chose de mieux. Bon, écoutez. Je sais pas si c'est à Irizia qu'on récupère une canne. Enfin, la super. Après, je pense qu'avec une canne, on peut avoir quelque chose de mieux. Ok, donc là, on est à Irizia. On n'oublie pas. Et Irizia, il y a toujours des putains de tentacools. Réel plaisir. Bon, du coup, j'aimerais bien arriver à Irizia. Comme ça, je pourrais pêcher à Irizia. Ok. On va vraiment commencer à se dire qu'il y a que des tentacools dans la mer. Tentacools et parfois tentacruels. Ah, on est arrivé. Ok, très bien. Pokémon peut utiliser éclate rock pour les détruire. Ok, très bien, mais j'ai pas éclate rock. Ah, la canne à pêche. Ah non. Quoi? Vas-y. Ah. Putain, j'ai cru que c'était le pêcheur qui nous donnait la canne à pêche. Qu'est-ce que tu... Ah oui. Ah non. Je croyais que c'était elle qui nous donnait le médicament. Ouais, bah y a pas grand chose que... Y a pas grand chose qui nous intéresse quand même dans vos dialogues, là. Bon, y a pas de pêcheur? Mais si, non, si, y a un pêcheur ici. Qui es-tu? Garnement de tournage avec l'œil mauvais et des cheveux longs. C'est infiltré chez moi. Il m'a fait grand peur et chapardé mon Pokémon adoré. Il m'en reste un. Oh, il va nous donner Karatroc. Est-ce que c'est bien? Attendez, on n'a rien capturé. Est-ce qu'il y en a un autre ici? En vrai, on trouvera pas mieux. Ah putain. Ouais, non mais on va le prendre. Oh, qui es-tu toi? Combat, tu devrais donc utiliser des Pokémon psy.
Bah. Alors ouais, Pokémon Psy, mais le problème c'est que Fantominus. Je suis pas si sûr. Hein. Bon bah le Tentacool, on va le mettre ici en attendant. Alors, on va aller récupérer le Karatroc. Ou c'est comment le nom? Je crois que c'est Karakroc. C'est comment son nom? Oui, allez, 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 mais tu me l'as déjà raconté, tu radotes, papy! Allez. Un Pokémon. Alors, ah, je peux pas le renommer? Ah bah, il est déjà renommé. Nessie! Karatroc, non, c'était bien ça. Ok. Et il a une baie. Insecte roche. C'est quoi de ses attaques? J'ai même pas regardé. Tu peux pas apprendre surf, j'imagine. On va reprendre notre Tentarulu. Par contre, ils ont parlé. Je crois qu'ils ont parlé de la CS Force, mais la CS Force, je l'ai pas récupérée. Tac. Allez, Nessie. Hop. Dans la boîte. Après, peut-être que. Ah, il est où? Peut-être que ça peut être intéressant plus tard. Peut-être qu'il a les meilleures attaques, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dois bien avouer que je crois que je l'ai jamais vraiment considéré comme un Pokémon intéressant à utiliser. Donc, peut-être à tort. Hein. Qui es-tu, toi? Ah! Ça devrait faire l'affaire. Ah, il nous donne le. Par contre, en fait, il y a un truc qui m'inquiète. Il y a un truc qui m'inquiète, c'est quel niveau ils ont dans l'arène. Parce que type combat, donc utiliser le type psy. Mais Fantominus, je suis pas certain que. Je suis pas certain que ça va faire l'affaire. Parce que là en vrai. Attends, en vrai, Pokémon combat. Pokémon combat, j'ai plein de Pokémon, ça va pas le faire du tout, hein. Écoutez, je suis pas serein. Mais attendez, mais j'étais persuadé qu'il y avait une canne à récupérer ici. Ah, il y a les Suicunes au-dessus, non? Et il est là, regardez. Au revoir, Suicune. Eh oui, c'était Suicune. Allez, va-t'en. Oui, tu veux voir Suicune? Bah, très bien. Oh, attends. Merde. Oh putain, 3 Pokémon. Soporifique, ok. Tu veux pas me donner ton soporifique pour l'arène? Putain, niveau 23. J'ai peur que ça me fasse mal. Très bien, j'ai compris. Et à mon avis, il va vouloir faire dévorer Eve. Donc je pense que Iriri, vas-y. Hein. Iriri Flamèche. Ouais, c'est ça. Il va faire dévorer Eve. Par contre, il va faire ça avec chacun de mes Pokémon. Donc, du coup, il y a forcément un moment où. T'es insupportable, mon gars. T'es insupportable. Ah non, mais c'est mort. Hein. C'est mort de chez mort. Putain, mais on lui fait pas beaucoup de dégâts. Bon, heureusement, ça n'affecte pas. À mon avis, ça va réussir ce coup-ci. Voilà, bravo! Après, en vrai.
Tu vas vouloir m'endormir aussi? Ah, il fait que ça, hein. Ah, putain, puis il est pas mort. Du coup, alors attends, si je tourne ça. Voilà. On l'a! J'ai dit, on l'a baisé. Oui, on l'a baisé. Ah, c'est raté. Alors par contre. Oh putain, électrode. Électrode. Sablette! Mablette! Allez, Mablette. Putain, il va faire explosion. Il va faire explosion ou destruction. A coup sûr, on perd Mablette. Putain, puis j'ai que de la merde. Il a des attaques de merde. Oh putain. Ça va, ça me fait pas beaucoup de dégâts. On va lui balancer du sable dans la gueule. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, bien fait. Par contre, faut pas qu'on l'énerve parce qu'il va se faire destruction et. Après s'il fait destruction et qu'il nous touche pas, en vrai. Oh putain, c'est un peu plus mal ça. Allez, encore un. Putain, mais ça rate jamais son attaque là. Putain. Bon. Ok, très bien. Oh putain, il a Fatal Foudre. Bon, en vrai, ah, ça risque quand même de faire du dégât, hein, mais... Est-ce que ça ferait du dégât au point de... Ok, 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 ok. Je rigole moyen. Après s'il re... Ah non mais non, s'il refait Fatal Foudre. Putain mais il a... L'autre il nous a endormi tous nos Pokémon aussi là. Ok. Faut qu'on arrive à se réveiller. Faut qu'on arrive à se réveiller. Ok. Bon, on a bien fait de jouer comme ça. Encore une fois. Lors d'un combat, jetez du sable à la gueule de votre adversaire et vous aurez l'avantage. Vous ne ressortirez pas grandi, ça c'est sûr. Voilà, très bien. Bon, on est toujours endormi. On monte niveau 27 par contre. Ok. Ok, ok. Toujours pas d'attaque, rien du tout parmi vous. Spectrum. Putain, mais est-ce qu'il a des beaux rêves? Il faut qu'on se réveille, allô. Putain, il dort. Ah, il a des chouilles. Ouais. Réveille-toi. Mais il se réveille pas. Bon déjà, il a pas l'air d'avoir dévoré, parce que je pense qu'il l'aurait fait. Après, s'il nous fait que de l'échou, il nous enlève quoi? 6 PV. Par contre, ça me paraît bizarre qu'il ait que l'échouille. Enfin, il a forcément notre attaque, mais pourquoi il spam l'échouille? Oula. Fait plaisir celui-là. Ok. Ok, bon, bah on s'en est sorti sans perte. Mais bon, on s'y attendait pas. Putain, je m'y attendais pas à ce qui me. Provoque en duel. Allez, va-t'en. Voilà, ne reviens plus. Ah, est-ce que c'est lui le. Ah, elle veut. J'ai pas envie de me battre contre toi, j'ai autre chose à faire.
Allez, bip bip bip, voilà. Bon. Qui es-tu, toi? Je sais tout, je vois tout. Je sais toutes tes Pokémon. Ah! Il était nuit, c'est au niveau 4. Magie. Il a l'air d'avoir grandi. Musique sans avoir confiance en lui. Très bien. Ben, y a pas de pêcheur. Où est-ce qu'elles sont les cannes à récupérer, du coup? Putain, faut aller à l'arène, hein. Après, en vrai, est-ce que... Alors, on a deux solutions. Soit on retourne au phare pour guérir le pharamp. Et après, on va combattre. Alors, je crois que c'est l'arène. Je me demande si c'est pas l'arène électrique. Quelle est l'autre? Soit on s'occupe d'ici. Putain, mais là, on enchaîne deux combats forcément. Et je crois... Ouais, après, il y a besoin de force. Mais j'ai pas force. Putain, où est-ce qu'on peut trouver force? Par contre, j'ai peur, hein, de cette arène. C'est pas des... Merci. Ouais, niveau 27, hein, quand même. Putain, niveau 27. Et l'autre, il va m'attaquer, hein, le deuxième. Ouais, c'est pas ouf. Oh putain. Ça augmente quoi, ça? L'attaque spé? L'attaque? Ok, très bien. Bah, il est en train de se setup. Il va nous one-shot toute notre équipe. J'ai très très peur là. Là par contre je rigole zéro. Parce que en plus de ça, juste après le combat là, Le deuxième il arrive, hein. J'aurai pas le temps de me barrer. Putain, il se réveille. Il continue à setup. Bon, dans tous les cas, il faut que je fasse ballon la dernière. Oh putain, coup critique. Putain, il arrive à point nommé celui-là. Allez, mon petit Gus DX niveau 21. Apprends une attaque, s'il te plaît, une bonne attaque. Ténèbres. C'est pas mal. À la place de l'échouille. Regardons, on va garder. Après, le truc, c'est que... Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous dise un truc. Sur la route là où il y avait... Ah putain. Sur la route là où il y avait les crémeux malades. Quand j'ai farm un petit peu mes Pokémon. Je suis tombé... Alors je sais plus si c'était lequel. C'était Reiku ou Entei. Mais je suis tombé sur un des deux. Et à deux reprises. Putain, le tignon. Le tignon. Ok, bon déjà on est plus rapide que lui. Après si on peut essayer de le rendre confus avec... Est-ce qu'on peut le rendre confus avec Ténèbres? Je pense que oui, hein. Ok, bon déjà ça lui fait pas mal de dégâts. C'est peut-être un... Ouais, on peut peut-être le tuer en 3 fois. Peut-être, ah ça a peut-être... Ouais non. Bon au moins il est un petit peu plus... réceptif au sommeil que le Kikli. Mais par contre je dégage direct de cette arène, moi. Niveau 27. Non mais c'est mort. Là je m'en sors. Il y a eu un coup de chance. Enfin il y a eu de la chance. Et en plus de ça, bah, ils ont pas été très offensifs. Bon lui je l'ai endormi et il a dormi tout le long, donc ça va. Ouais, ça il faut force, mais j'ai pas force. Par contre, du coup, j'ai vraiment pas... Attends, y'a vraiment pas une canne à pêche quelque part, là? Tu n'aimes pas la canne à pêche, toi? Bon. Alors, on va retourner
Je me souviens plus, c'est comment la ville? Olyville? On va aller voir. On va aller donner le médicament. Et puis du coup. Du coup, j'ai pas la canne à pêche pour essayer de pêcher un nouveau Pokémon. Donc, alors, sur la première route qu'on va rencontrer, ici, on a déjà capturé. Ouais, bon, là, on est toujours à Irizia. Donc là, peu importe ce que c'est pas un Pokémon qu'on peut capturer. Voilà, de toute façon, c'est un Tentacool. Saiton qui? Personne! Allez, va-t'en. Mais du coup, ouais, il faut absolument qu'on gagne les niveaux. Pour revenir à l'arène. Ah, il faudrait que. En fait, il faudrait presque que tous mes Pokémon soient entre 25, 27 et 30. Donc, le truc, c'est qu'il faudrait. Enfin, il faudrait refaire une session d'XP. Donc, sur cette route, on peut capturer. Donc, si on a autre chose que Tentacool, Tentacruel. Attendez, j'ai un doute, c'est où que j'ai capturé. Bah non, 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 c'est là que j'ai capturé Tentacruel, non? Oh, je sais plus où je l'ai capturé, ça y est. Ouais, si, je l'ai capturé. Ah non, c'est sur la route d'au-dessus. Voilà, c'est sur cette route. Oui, bon, on s'en fout. Donc sur cette route, j'ai pas. J'ai capturé le Tentacruel. Et 41, j'ai rien capturé. Enfin, j'ai rien capturé. Donc route 41, si on récupère une autre canne à pêche. Mais en vrai, je crois que je vais me balader dans les baraques. Et je vais essayer de récupérer des objets, hein. Parce que pareil, la CS Force, je sais pas où on la récupère. Sûrement dans un bâtiment. J'ai plus de souvenirs, ça, par contre. Il y a des trucs qui me restent un petit peu en tête, mais là, pour ça, je ne vois plus. Laissez-moi tranquille, les dresseurs. Allez, vite. Hop. Bon, après, encore une fois, il y a tous les dresseurs aquatiques. Oh, toi, t'es un pêcheur. Ah, c'est toi qui donne. Oh. Merci, champion. C'est donc lui qui nous force. Par contre, force. Je sais pas quel badge il faut. Je sais pas quel badge il faut pour pouvoir utiliser force. Ok. Si tu le dis. Padadam pam pam. Mais il y a un pêcheur là. On va parler à tout le monde. À propos de son Pokémon rare. Ah! Bah du coup, il a plus de Pokémon. Il a pris force à mon Pokémon, il peut bouger les rochers. Bah oui, moi aussi je l'ai, mais... Vive la mer, puis des couchers de soleil. Chante avec moi. Non, sans façon. Peut-être par là. Ah, pêcheur? Tu as Krabi? J'ai pas Krabi. Krabi contre Voltorb. Putain, mais attendez, mais ça peut être cool. Attendez, il faut qu'on capture un Krabi. Attendez, j'ai pas capturé un Krabi, moi. Attendez, où est-ce que j'aurais capturé un Krabi? Non, j'ai pas capturé de Krabi. Parce que si j'ai un Krabi, je l'échange direct. Voltorb, Pokémon électrique. J'ai pas le souvenir. Non, 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 j'ai pas capturé de Krabi. Regardez, mais je pense pas. Non, pas de Krabi. Peut-être qu'avec la super cam, on peut l'avoir ici. Hein. Mais où elle est? C'est toi? Oh oui! La super canne! Ok, donc on peut pêcher ici et sur la route 41. Ah oui, mais si je pêche ici, je peux pas faire l'échange. Oh putain, faut que j'aille sur la route 41. Faut que j'aille pêcher en pleine mer. Et espérer que ça soit un Krabi en premier. Donc 40. Ok. Sur la route 40.
sur la route 40, on peut pas pêcher. Donc là, on est sur route 40. Ok, donc là, on s'en fout. De toute façon, tentacool. Ah, pas, encore une fois, enfin, je pense ne pas faire d'erreur. Oh non. J'entends par là ne pas capturer deux fois un Pokémon. Enfin, ne pas capturer un Pokémon deux fois dans la même zone. Je pense pas faire cette erreur. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais j'essaye qu'il n'y ait pas d'erreur, quoi. Putain, par contre, il faut tomber sur un Krabby. Hein. Après, c'est Tentacool, Magikarp. Qui d'autre on a eu en Pokémon? Pokémon aquatique. Oula. Molo Lostari là. Qui c'est qu'on a eu d'autre? Ne refais jamais ça, Stary. Merci, Guzix, d'avoir survécu à cette attaque. Franchement, je l'aurais mal pris. Simone. Sacré Simone. Putain, mon Pokémon, bordel. On a eu chaud, hein. Du coup j'ai les personnes. Bon allez hop, direction la route 41 et on pêche. Il y a forcément un autre Pokémon, mais en plus je viens de regarder dans le PC, mais je me souviens plus qui c'est que j'ai eu d'autre. Ah bah j'avais eu Petitard, mais Petitard je crois que je l'avais pas pêché. Je crois que Petitard c'était pas un Pokémon pêché. Bah je ne sais plus. Pas bien grave. Merde. De toute façon, on le verra si jamais c'est un Pokémon capturé, on verra qu'il y a la petite Pokéball. Ok. Donc là, on est sur la bonne route. La route où on n'a pas capturé de Pokémon. Hop, super calme. Quoi? Attends, tu peux pas. Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé. Je peux pas pêcher ici? Pas tomber sur un Stary. Les illicumes, il y a peut-être un Stary. Ah, écoutez, on va se balader. Hein. Laisse-moi tranquille, toi. Dites-moi qu'il y a un Stary qui se cache quelque part. Non, pas un Stary, un Krabby. Ah putain, mais ça fait chier aussi. Comment ça, putain, possible? Putain, on peut pas pêcher quand on est. Tra les anciennes versions. On ne peut pas pêcher quand on surfe. Tu me laisses partir? Merci. Il y a que Tentacool, Tentacruel, hein. Ou alors les autres Pokémon sont très très rares, ou alors s'ils sont pas rares, j'ai pas de chance du tout. Parce qu'on est toujours, pardon, sur la route 41. Putain, puis il y a des Pokémon tous les 3 pas. Va-t'en. Mais y a aucun endroit où je peux me poser et puis pêcher. Qu'on va laisser tomber, hein. Parce qu'il n'y a pas de petit îlot où on peut se dire bah on se pose et puis on pêche. Ouais, je crois pas, hein. Oh! Oh! Oh bordel!
Oh merde. Ok. Ok. Bon, bah du coup, changement de plan. Alors, est-ce qu'on l'endort? Après, le truc, c'est que si on fait... Ah putain, j'ai pas... Ah putain, faut pas... Non, faut pas que je me rate. Ok, bon bah pour le moment, c'est que charge, donc ça me va. Ok, ça marche. Par contre, si je fais Vampigraine, le truc, c'est qu'il n'y a pas de machine arrière. Bon, on va tenter Eriri. Putain, par contre, faut pas que je perde Eriri sur ce combat. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il aurait que charge? Putain, j'ai pas envie de prendre de risque. S'il y a une grosse attaque haut... Ok, ultrason... Ça me va. Bon, je pense que 2, ça devrait suffire pour qu'il me laisse un peu tranquille, surtout qu'il est paralysé aussi. Ok. Bon, ces attaques, ça a pas l'air d'être la folie par contre. Ok, donc il a bien écume. Par contre, c'est encore un Pokémon haut. Hein. Il n'y a que ça. On va faire ça, j'ai pas envie de prendre de risques. Voilà, en plus son écume serait passé. Très bien. Allez, mon petit Super Bowl. Ils veulent pas se laisser capturer du premier coup. Hein. Vous êtes pas cool. Allez! Mais laisse-toi faire! Il me reste combien? 15? Putain, c'est de pire en pire. On ira en racheter, hein. T'es sérieux, là? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Paralysé dans le rouge. Abuse pas. Oh. Attendez. Oh putain, il avait bulle d'eau. Putain, ça rend fou. Il ne reste plus que 10. Je pense pas avoir d'attaque pour lui baisser si peu sa vie. Hein. Mais là, je suis dans le rouge paralysé. Enfin, dans le rouge paralysé. Merci. Alors, comment on va l'appeler ? Cerf-volant. Cerf-volant. Il nage la bouche ouverte pour avaler tout et n'importe quoi. Son corps est très granuleux. Démanta, c'est un poisson.
poisson cerf-volant. Je sais qu'on va l'appeler. On va l'appeler Mantalo. C'est bien, non, Mantalo? Moi, je suis content de celui-là. Alors oui, effectivement, ça s'écrit pas comme ça. Bon, bref. Elle me lâche plus. C'est pour me dire qu'elle veut un combat, j'y vais. Non, ça. Le plus vieux, oui, non, mais... Elle a dit quoi? Le plus vieux, le plus jeune est une tâche? Non, elle a pas dit ça. Je pense pas qu'elle a dit ça. Je pense que j'ai interprété ce qu'elle a dit. Je crois qu'elle va me combattre si je passe là. Eh ben, ce fut un plaisir, hein, Démonta, mais... On va se détendre. Ouais. Donc je vais passer derrière. Putain. Retour. Le retour des Tentacool. Bah du coup notre Krabby Voltorb. Après, est-ce qu'un échange est considéré comme... Ah, je sais pas, j'ai pas envie que ça paraisse comme de la triche. Parce qu'en vrai, attraper, on peut attraper, on peut capturer qu'un seul Pokémon par zone. Après, dans ces cas-là, ça veut dire que le Pokémon que j'ai eu sur et les œufs et tout ça, c'est pas considéré comme des Pokémon capturés. Donc ouais, non, l'échange, ce serait de la triche. Parce qu'en fait, j'aurais voulu essayer de capturer un Pokémon, enfin un Staryu. Parce que Staryu, alors attendez, pas Staryu, c'est Krabby. Alors attendez, on va regarder un truc. Non, 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 non et non. Alors, Staryu, Krabby, où est-il? Putain, j'aimerais bien un What What. Baras, Titar. Non. Il n'y a pas de Krabby? Je veux la zone. Ok, il n'y a que ici qu'on peut en trouver. Le problème, c'est que j'ai pas siphon. C'est dans les îles écumes. Ok. Ah putain. Bah du coup le l'échange. Bah on va essayer de pas. Bah, on va pas pêcher à Oliville. On va pas pêcher à Olivine, mais il faudrait qu'on se souvienne que quand on ira dans les îles écumes, qu'on aura la possibilité de capturer un... Enfin, de pêcher. Par contre, il faut pas qu'on rencontre de Pokémon avant. Oula, ça sent un peu mauvais là, non? Le Coquillas. Pareil, Coquillas, je dirais pas non. Mais après, c'est... Au secours. Je crois que j'ai plus de potions. J'ai une potion max. Alors.
vrai, je pense que... Oh, putain, j'ai pas envie d'essayer. Est-ce que Iriri est mort avec... Je pense pas. J'ai pas envie de prendre le risque. Je prendrai pas le risque. S'il meurt, ce serait une catastrophe, donc... Parfait. J'ai bien fait. Potion max. Bon. Ah, Iriri est niveau 27, il meurt. J'ai pas autre chose que potion. Ouf, allez non, vas-y, tant pis. Je vais pas me prendre la tête. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Tiens, on peut t'emmerder un petit peu. Allez, tant t'es relou. Tu peux le faire. Emmerde-le un max. Si t'arrives à l'empoisonner en plus de ça... Tu serais mon champion. Parfait. Mais en fait on va... Depuis le début tant t'es relou, je le dénigre complètement. Alors que ça se trouve je ne devrais pas. Ça se trouve j'étais même pas obligé. Oh voilà. J'étais même pas obligé d'utiliser une potion max. Putain. Ok, on va garder en vie tant t'es relou. Allez, Riri! Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai cliqué ailleurs. Ok. Alors, est-ce que c'est eau glace? Ou est-ce que c'est juste glace? Parce que si c'est juste glace, c'est mort. Non, non. Ah, non. C'est eau glace. C'était pas efficace, mais ça passe quand même. Enfin, tout le monde gagne de l'XP. Putain, oh merde, y'en a 3. Oh là là! Il faut que ça marche instantanément. Il faut que ça marche. Ok. Voilà, dors. Continue de dormir. C'est très très bien. Voilà, nous on récupère de la vie. Balancer les poudres dodo. En vrai, on pourrait balancer autre chose, mais. Non, 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 on va rester sur poudre dodo. S'il décide de se réveiller avant nous. Ok, ça va. Ça va, 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 ça va. J'en profite de faire ça pour récupérer un petit peu de points de vie. Hein. Parce que sinon, je l'aurais empoisonné et je pense que ça aurait été plus vite. Mais... Là au moins ça me permet de récupérer de la vie. Voilà, très bien. Comme je sais que en théorie il a pas spécialement d'attaque qui pourrait me faire beaucoup de dégâts. Ça va. On serre les fesses hein, avec les dresseurs. Mais je le savais hein. Je le savais que les dresseurs avec des Pokémon aquatiques, ça poserait problème. Et là, on a la preuve. Du coup, en fait, aujourd'hui, on n'a rien fait. Quand on regarde. Pour le moment, on n'a rien fait. Ça fait combien de temps, là? C'est quasiment une heure. Quasiment une heure qu'on est en live. Et on a... Ben, on n'a pas fait grand-chose. Bon, on a récupéré toute notre vie. On est niveau 27. Attaque, pas attaque? Non, non. Bah, pourquoi prendre une attaque? Ah, merde, le retour de Kokias. Bah, du coup, il faut lui faire Vampigraine direct, hein. Voilà. Comme ça, au moins si on envoie quelqu'un d'autre, bon, on va envoyer quelqu'un d'autre, c'est sûr. Okay. Après, en vrai, on pourrait presque l'empoisonner. On,
pas l'empoisonner. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je lui crache dessus à Pissenvol, mais... Malgré ça, il fait le taf, le con. Allez, dégage, redonne-moi de la vie. Ok, donc c'est là qu'il va falloir être intelligent. Je pense que Eriri survit à... Ombréal. Et il a 75. 70 points de vie. Ouais, c'est pas efficace. Très bien. Redonne-moi ma vie. Très bien. Alors on va faire comme tout à l'heure, hein. Le Flamèche, il lui a enlevé la moitié de sa vie alors que c'était pas efficace. Très bien. Très très bien. Bon par contre, une fois pas deux, hein, les combats... Les combats contre des Pokémon haut. Oh, Pissenvol évolue. Déjà, putain, c'est... Du coup, on a la troisième évolution. Par contre, apprends une attaque, par pitié. Apprends quelque chose, t'as forcément d'autres attaques. Ouais, le Cotovol, ouais, super. Putain, il apprend pas l'attaque. Putain. Tant à coup, ouais, super. Allez, nous revoici sur la terre ferme avec un... Un mentalo supplémentaire. Donc on pourrait pêcher ici. Mais en fait non, ça sert à rien de pêcher ici parce qu'on a regardé, il n'y avait pas les crabis. Donc il faudra vraiment qu'on aille aux îles écumes et qu'on récupère le crabi et qu'on l'échange ici contre le Voltorb. C'est ce qu'il faudra faire. Bon. Par contre. Cette arène. De cette ville. Je ne sais plus c'est quel type les Pokémon. J'ai pas le souvenir. Vu qu'il y a un Pharamp en haut, je dirais Pokémon de type électrique. Mais ça me dit rien, une arène électrique dans ce Pokémon Crystal. Alors je peux me tromper. Hein. Pa 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 pa. Alors, il y avait un dresseur que j'avais pas combattu. On va le combattre. Parce que du coup, on a gagné 10 niveaux depuis la dernière fois. Normalement, ça devrait passer. Nice. Et il faut qu'on achète des potions et super. Enfin, des super potions là. Et des super balls. Un Machoc. Ok. À niveau 18, hein. Je crois que c'est pas une bonne idée. Choc. Ouais. On a bien fait. C'est ça, fais-moi les gros yeux. Pareil, Gus DX, ce serait bien qu'il évolue. Ce serait bien qu'il, pourquoi pas, il apprenne une attaque qui change un petit peu la donne. Parce que bon, ténèbres, bah, l'ombre. C'est pas catastrophique, hein, mais bon. On balance un match choc, ça me va. Oh, t'es tart. Mouais. J'aurais peut-être dû... Salut Project Dream. Non, c'est pas une ROM hack. C'est le jeu de base. C'est juste qu'on est en Nuzlocke, tout simplement. Bon, du coup, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Allez, ça dégage. Je sais pas si on pouvait, ouais, on gagnera peut-être un niveau à la fin. Un autre Machoc. Ok, ça me va. Donc, notre Gus DX sera de niveau 23 à la fin de ce combat. Parce que je vois pas dans quel monde son Machoc pourrait nous tuer.
moins qu'il ait une attaque différente qui pourrait nous toucher, mais j'en doute. Puissance, gros yeux. Alors ça pourrait me faire peur si tu pouvais me toucher, mais à mon avis, tu ne peux pas me toucher, tu ne me toucheras pas. Allez, niveau 23. Petite attaque? Non, rien du tout. Ok. Jonas Marin. Ok, très bien. Soignons le Faramp. Fari, comment te sens-tu? Ah, ça va mieux. On peut pas avoir le Faramp de notre équipe? Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, mon poussin. Ah, je suis un poussin. Très bien. Et hop, pour le capture. Non. Oula. Ah, d'accord, ouais, c'est l'électricité. J'ai compris. On est jamais tombé sur un Watt-Watt. Encore une fois, un Pokémon électrique. Putain, ça me changerait la vie, là. Plutôt que l'autre, là, qui sert à rien avec ses attaques plante-pas-plante. Ah non. Je suis aigri en disant ça, parce qu'il me sort quand même de situations pas fameuses, mais ce serait tellement plus simple. Bah, on va prendre pour le moment que des super. Bon, on a de l'argent. Allez, 10. Les Super Ball. Allez, 15. Voilà. Lettre surf. Non. Bon. Ouais, toi, t'es pas d'hypo, c'est cristal. Ah, c'est con, ça. C'est très con. Merci pour l'info. Et c'est con parce que... Cristal, c'est censé être une version qui regroupe un peu or et argent. Du coup, c'est vrai que c'est dommage qu'il soit pas dispo sur Cristal. Et ça expliquerait pourquoi je ne suis pas tombé dessus. Bon. Putain, la reine, par contre, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus c'est quoi la reine. Je suis vraiment pas serein là. En fait, le truc, c'est que je me dis, j'irais bien affronter quand même des dresseurs aquatiques. C'est risqué. Parce qu'à tout moment, je me fais détruire, mais il faudrait que je gagne un peu d'XP quand même. Et malheureusement, je peux pas gagner énormément d'XP autrement qu'en faisant ces combats. Je pourrais aller dans les herbes, gagner un peu d'XP. Vladimir Nageur. Tentacool. Après, je me souviens plus c'est quoi la championne, je me souviens plus. Enfin, je sais pas c'est quel niveau. C'est plus ça qui me fait peur. En vrai. Parce qu'après, c'est électrique, Carnage il me servira à rien. Après, c'est tout en vrai. Ça peut se tenter, mais faudrait que j'aille voir me renseigner. S'il y a quelqu'un qui me dit quel type sont ces Pokémon, parce que je crois qu'il n'y a pas de dresseur avant elle. Je crois que c'est directement elle que tu combats. Allez, voilà, on a gagné un niveau, voilà, on est bon. Non, on va essayer d'aller voir. C'est peut-être sur un panneau, c'est écrit, je me souviens plus. Tous les cas, je vais les re-soigner vite fait. Parce que même dans le PC, je vois pas ce qui pourrait nous sauver, nous être utile. Qu'est-ce qu'on aurait dans le PC? C'est de la merde. Alors après, Abra Pokémon Psy
pour la prochaine arène. Eh ben peut-être, on va... Allez, écoutez, on va porter nos corones. On va aller voir l'arène. Ah, mais je crois qu'il y a un combat. Je crois qu'il y a un combat contre le rival. Oh, c'est Pokémon Acier. Oh, putain, j'ai très très peur. Même si c'est niveau 25, ça va être chaud. C'est peut-être la fin de notre équipe. Je me souviens plus du tout quels sont ces Pokémon. 3 Pokémon. Magnéti, ok. 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 Pour que ça continue comme ça par contre. Hein. Parce que putain, niveau 30! Là il faut là il faut réfléchir. Alors moi je serais bien parti qui s'envole et technique on connaît. J'ai peur putain. Après est-ce que ça... Mais oui, ça serait une grosse perte, j'allais dire est-ce que ce serait une grosse perte. Putain, niveau 35. Si on s'en sort, si on sort de cette arène avec l'équipe au complet, ça sera un miracle. Ou ça sera simplement qu'on a bien joué. Après, poudre de dos, si ça fonctionne... Oh merde. Oh putain. J'ai pas envie de voir ça. Je sais pas qui envoyer. Que de faire? Est-ce que Acier... Putain. Ma table des types, bordel! Est-ce que Acier, c'est fort contre le feu? Comme ça, je dirais que oui, mais j'ai envie de dire que type Acier, ce serait fort sur tout le monde. J'ai envie de faire un sacrifice. Hein. Ou alors je donne une super potion à Pissenvol. Après le truc c'est que ça va retarder l'échéance mais... Il est où? Oh, putain s'il fait un coup critique. Stop! On a gagné un tour. Oh, putain, je sais pas quoi faire. Est-ce que Acier c'est fort sur Spectre? Parce que j'aurais bien envie d'envoyer Gus DX moi. Comme ça Gus DX. Ah non, tant pis. Oh putain, il rate son attaque le con.
Ah, j'aurai pas le temps d'attaquer. Oh, tant pis. Allez, merci. Merci, Tanté Relou, pour les services rendus. Mais il fallait qu'il y en ait un qui paye pour que on puisse arriver directement. Par contre, c'est pas dit que... Ok, très bien. Si on perd que Tanté Relou... Continue de dormir. Normalement, il est mort après. Ah, la saleté! Ah, putain, les hyper potions. J'avais oublié. Ok. Ok. Allez, dors encore un petit tour, mon ami. Oh merde. Oui, il a raté son attaque. Ah putain, du coup, je sais pas si ça le termine là. Aïe aïe. Gus DX reste avec nous. Non. Critique en plus. Bon, au moins on pourra mettre notre Abra dans l'équipe. Attendez, parce que c'est pas fini. Puis s'envole, tu m'emmerdes. Ok, c'est un Magnéti. Je suis quasiment sûr qu'on aurait pu éviter ça. Plus DX. Oh, le Stylix niveau 35. Ouais, bah c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. En vrai, si j'avais avec Pisse en vol, si j'avais utilisé les super potions jusqu'à ce qu'il rate sa queue de fer, j'aurais peut-être pu lui placer un poudre toxique ou l'endormir, essayer de le rendormir. Bref, bon. Il fallait, hein. Là, c'était... J'avais plus le souvenir de quel Pokémon elle avait et quel niveau. Pourquoi elle va me donner queue de fer? Là, il va falloir être très très intelligent avec cette attaque. Parce que c'est une attaque bien cool. Et du coup, il faudrait l'utiliser sur un Pokémon. Peut-être garder la CT jusqu'à ce qu'on puisse. Je sais pas, aller à la ligue ou je sais pas. Merde, du coup, j'ai soigné le. Bon, c'est pas grave, on va le mettre dans la boîte des dead. Du coup, il nous faut un autre Pokémon aquatique pour qu'on puisse surfer. Et il faut un Pokémon pour coupe aussi. Ou alors on le garde dans ses esclaves, mais... Non. Putain, c'est chiant, par contre, faut aller vraiment tout en bas. Genre... Pourquoi j'ai mis ça dans la boîte? J'aurais dû mettre ça dans la boîte 2, parce qu'on s'en fout. Allez. Cours dur pour vous deux. Ah, Gus DX, franchement, ça me fait chier. Hein. Surtout sur un coup critique encore. Hein. Bon, eh bien, on avait dit... Ah oui. Le Abra. Que je vais entraîner un petit peu de mon côté. Pour moi, le faire remonter niveau... au niveau des autres. Et qui c'est qu'on va prendre en plus? Ah, il me faut un Pokémon haut, on a dit.
Après, je peux entraîner Magikarp jusqu'au Léviator, mais... Ah, Montalo. Allez. On va prendre Montalo. On va lui apprendre directement. Alors, est-ce que y a un Pokémon qui pourrait apprendre Surf également? Force, pardon. Bon, Surf, je sais. Voilà. Montalo. Qu'est-ce qu'on va lui retirer, par contre? Je crois qu'il y avait Buldo, Écume. Ouais. Bah, charge. Vas-y. Comme ça, elle est bien. 3 attaques haut, parfait. Et du coup, force, bah peut-être Mablette. Ouais. Bah, Mablette, hein, en vrai. Boule armure. Bah, pff, les attaques, c'est pareil, c'est vraiment naze. Hein. Ok. Et bah, écoutez, très bien. On va s'arrêter ici. Est-ce que tout le monde est soigné? Tac, 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 tac. On met le Abra en premier. Et je vais l'entraîner un petit peu. Comme ça, pour la prochaine fois, il y aura pas de... Il n'y aura pas de session XP. Qui pourrait être un petit peu embêtant. Bah, déjà là, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup avancé. Bon, on a fait un badge. On a été jusque Olyville récupérer le médicament. Mais en soi, voilà, on a... On a alterné entre deux villes, quoi. Et puis en même temps, au milieu, il y avait la mer, mais. Mais voilà, écoutez. RIP. GusDX. On n'oubliera jamais. Bon, tenter relou aussi, mais bon. Bien moindre. Que GusDX. Bref, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne fin de journée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!